Voici le molosse tricolore par excellence, qui a le vent en poupe sur tous les continents. Le dogue de Bordeaux est l'un des chiens français les plus anciens et son nom apparaît dès la fin du XIVe siècle. C'est un bon pépère qui aime plaire à son maître. Il n'est pas cabochard et se plie volontiers aux règles établies dès lors qu'il les a comprises. Le dogue de Bordeaux est un chien très patient et tolérant avec les membres de sa famille. Pour autant, il ne faut pas le pousser à bout. Il y a toujours une vieille théorie qui laisse croire que les femelles sont plus gentilles que les mâles. Tout dépend de ce que l'on entend par gentil. Avec les humains, les mâles sont tout aussi gentils que les femelles. Par contre, les mâles sont moins sociables avec leurs congénères du même sexe. Ce n'est pas un chien sportif, mais tout dépend de ce que l'on entend par sportif. S'il s'agit de faire 4 ou 5 km tranquillement en forêt, c'est parfait. Par contre, pas question de faire 10 km à vive allure en vélo. Le dogue de Bordeaux, comme tous les molosses, a un instinct territorial assez marqué. Il est naturellement un bon gardien. Son aspect dissuasif, à lui seul, fait fuir les indésirables. Au-delà de cela, son instinct territorial et son instinct protecteur vis-à-vis de ses maîtres font de lui un gardien né, calme et équilibré. Il sait parfaitement faire la différence entre un invité et un intrus. Comme tous les chiens à museau court, le dogue de Bordeaux a tendance à baver, mais ce phénomène est très variable d'un sujet à l'autre. Choisir d'avoir un dogue de Bordeaux implique néanmoins de prendre le risque de rencontrer ce désagrément. Le dogue de Bordeaux est casanier, c'est un chien calme et tranquille qui aime avoir ses petites habitudes. Il n'est pas rare, lorsqu'il part avec ses maîtres en vacances, de le voir bouder sa gamelle pendant un ou deux jours. En résumé, il aime bien partir avec ses maîtres, mais aime surtout revenir à la maison.